Demain, je te rappelle bien. Voilà son numéro. Appelle-le. Puis, elle m'a balancé son numéro. La personne m'a balancé son numéro. Le lendemain, je l'ai appelé 3 fois. Je lui ai laissé un message vocal disant, Fafa, j'attends toujours les vidéos que tu m'as promis hier. Moi, je dois sortir. Mon téléphone n'a pas de réseau quand je suis dehors. Donc, il faut que je te parle avant de sortir. Fafa n'a pas répondu. Et ce jour-là, j'ai envoyé ma fille faire un IRM. Donc, je suis partie. À quel moment j'ai parlé de 200 000, de 1 million, de 2 millions à Fafa? Comme si j'étais orpheline de père et de mère. Moi, mes parents vivent. Ma mère est décédée, certes, mais ma mère qui m'a élevée vit. Mes parents vivent. C'est parce que 200 000 fois pour aller payer une vidéo de cul. Il y a quelle preuve dans une vidéo de cul? Donc, il a pris ça comme rumeur. Je te jure qu'il est parti à la gendarmerie. Lui seul, il t'envoie des informations pour t'induire en erreur. C'est lui qui a induit en erreur le panel sur ma bio. Moi, je vous dis, l'arrestation de ma bio, il y avait peut-être des plaintes avant, hein, certes, mais c'est lui qui a appuyé. C'est lui qui a appuyé parce que le gars là, qui est, celui qui a le funhouse, parce que il a tellement insisté dans notre inbox, il nous a fait, il a fait passer le gars comme si le gars était dans son équipe. Il nous a envoyé la liste de toutes les personnes avec qui il est ami dans son club. Il dit, voici les gens, voici les gens, les amis du groupe, le groupe de Cécilia Tamira. Ça, c'est lui qui m'écrit. Excuse-moi de te couper. Comme croyant-vous va descendre là, je dois lui dire quelque chose avant qu'il descende, s'il te plaît. Non, non, écoute-moi. Écoute-moi, je vais, comment on appelle ça? Moi, j'ai un appel, donc je vais descendre. Désolé, la grando. Moi, tout ce que je peux te dire là. Voilà, il te dit ça en inbox. T'as compris, non? Mais là, on a un truc là. Il y a une fille qui a. Bon, je te dis ça en truc. Je te dis ça Voilà. en. Pourquoi la fille de 13 ans là? Appelle-moi, je vais te dire. Parce que je vais faire ça là après. Moi, à partir de demain, je reprends les lives. Donc, voilà, à partir de demain, je serai plus dispo. C'est question on ensemble à tout à l'heure. Ok, vas-y, Vas-y, la continue. Ouais. Désolé, Ok. Glaga. Donc, tu vois, non? Tu vois un peu le genre de malade mental que c'est. Le genre de le gars là, comme le propriétaire du Funhouse, c'est lui qui m'a envoyé son nom, le faisant passer comme un de ses, un membre du club rouge. Mais comme je ne l'ai pas calculé, j'ai dit beaucoup de noms, hein, sauf ces noms-là. J'ai dit, je ne dis pas. Il insiste dans la messagerie WhatsApp. Il faut dire ce nom-là. Je dis, je ne dis pas. Il y avait lui, puis il y avait Pornita. Je dis, je ne dis pas. Il m'a dit aussi de dire. Il a dit non, non, non. Moi, Je ne dis pas. C'est pas toi qui me dis. Moi, je savais qui c'était lui. C'est pas toi qui décide de ce que je vais dire. Je ne dis pas. Mais quand ton influenceur a sorti la photo du gars du Funhouse, ça a mis combien d'heures pour que ma bio tombe? Et j'ai dit, on me dit, non, le gars est trop gentil, le gars n'a rien à voir. Arrêtez. Arrêtez. Moi, jusqu'à preuve du contraire, je crois que ce monsieur est derrière l'histoire de Mabio. Peut-être qu'elle n'est pas bonne, hein. Peut-être qu'elle a fait ce qu'on lui C'est ce que reproche. j'ai Hein. dit hier, que les gens m'ont pas écouté là. C'est ce que j'ai dit hier. Peut-être que tout ce qui se dit sur Mabio est vrai. Moi, je n'ai pas essayé de savoir l'histoire. Peut-être que tout est vrai. Mais je peux vous assurer que ce monsieur-là, il a quelque chose à avoir là-dedans. Il a quelque chose parce que ma bio est très proche de tous les enfants qui se plaignent de lui. Pourquoi qu'il avait fait? Même si c'était influenceur et moi, il avait papo sur nous. Il allait casser ça. S'il avait papo sur nous, il allait passer par quelqu'un pour casser notre papo. S'il avait quelque chose contre nous, il allait faire. Lui a même mort. Si je mets Abidjan, son fantôme va se réveiller pour aller dire, elle est à la report. Je vous jure. Qui pourra nous faire du mal, il va le faire. Il va le faire. C'est un vicieux. Je vous dis, c'est un pervers narcissique. Vous ne me croyez pas. Quand il dit que, en plus, il est sale. Voilà quelqu'un qui est dans son affaire. Tous les jours, tu as un problème. Vous n'avez pas remarqué? Tous les jours, Exactement, il y a quelque chose. Il y exactement, a un obstacle. exactement.
On a eu des combats plus violents que ça ici. Attends, Glag, là, il a rendu le dossier de Barbie encore plus lourd. Ouais. Il a rendu ça lourd. Nous aussi, on a rendu pour lui aussi lourd quelque part là-bas. Aïe. Non. Un dossier, on a fait des combats ici. Nous, on a affiché l'assemblée générale de la mairie ici. On a dormi en paix. On a dormi en paix. Parce que le général est quelqu'un de sain, de propre. Mais lui, là, dès le premier jour, voilà une fiancée qui est là, si je mens, une fiancée après 3 jours de retraite spirituelle, elle est là, si je mens. Depuis qu'on est dans son affaire, là, ce que tu peux faire en 3 jours, en une journée, tu mets une semaine pour le faire. Et là, depuis qu'on est dans l'affaire, c'est un déménagement. Hein. Ça veut dire que mon lit est encore posé sur mon matelas dans l'appartement que doit rendre les clés demain, vous ne croyez pas. C'est quoi ça là? Il dit que tu as fait déménager de Genève quand même. Non, il m'a demandé de choses, de rue. D'une rue à une autre. Et ça, je n'avais pas dit. C'est genevoise. Non, donc il faut faire attention. Franchement, il faut faire attention. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Ok, bon, moi je vais descendre, je dois aller faire quelque chose. Mais concernant la vidéo de Manon, moi j'avais reçu la vidéo de mon téléphone sur mon WhatsApp par un numéro, j'ai pas compris. Et quand j'ai reçu la vidéo, je l'ai envoyée à mon modo et plus à mon avocat du panel. La vidéo, je l'avais reçue 2 jours avant, je l'avais pas affichée. Toi, tu es avocat du panel? Quand... Okay. Ouais, j'ai mon avocat du panel. Oui. Actuellement, à la fin. Donc... Pardon, on a reçu le même moment. On a reçu au même moment. Voilà, moi je l'ai reçu il y a 2-3 jours avant et j'ai pas affiché, j'ai envoyé 4 personnes. Et c'est après quand la poutine est venue sur mon live, après quand je lui ai envoyé, après elle m'a dit bon, moi je voulais pas, hein. J'ai dit non, n'affichez pas. Dans tous les cas, tous les enfants qui ont été abusés là, au jour d'aujourd'hui là, ils ont rien eu, même pas de comment on appelle ça, ils ont pas eu de justice. Nous qu'on a fait le combat, on n'a pas eu de justice, au contraire, c'est nous-mêmes on a des lourdes plaintes sur nous. Cette histoire est trop bizarre la famille, je vous jure, hein, ça fait peur. Donc là où je suis, je crois que je vais annuler mon voyage en Côte d'Ivoire, ça va être mieux le temps que ça se tasse, qu'on me confirme bien que la plainte a été enlevée sur moi. Et j'espère que ma vidéo va prendre de l'ampleur. Comme le monsieur l'a dit, il va demain chez le procureur pour montrer la vidéo, parce qu'il faut que ce soit sur la même page. Donc j'espère que le commissaire, si vous m'entendez, parce que je sais que vous regardez tous mes lives, si vous m'entendez, je suis désolé, excusez-moi, pardon, je suis allé trop à fond dans le dossier. Donc la famille, bonne soirée, bisous. Bonsoir, je peux parler. Merci, Mado. Ça dit que, tu sais, bon, bref. Allô? La mère Glagla a raison. Moi, je dis, elle a raison dans ce sens que c'est tellement bizarre cette coïncidence. Je pense que cette plainte contre ma bio, on suppose que c'était là depuis. Parce que si après l'arrestation de ma bio, on voit ce monsieur en question sur le live de son soi-disant fils qui se moquait. Et perdu. Il se moquait, il disait, Dieu est dans mon affaire, ils n'ont encore rien vu. Elle a parlé de, elle était la première personne à parler de moi. C'était sur son panel. Elle était la première personne à dire, à parler, à révéler des choses sur moi. Tcha, elle ira en prison. Et il dit, et il rit. Quand il dit ça, il rit. Tu sens que je sais pas comment je vais appeler ça. Moi, j'ai pensé à ça parce que je me suis dit, la boîte de nous où ils vont, le propriétaire qui est plaignant dans l'histoire de ma bio, c'est Jean, tu es en train de dénoncer notre équipe ou bien tu es en train de dénoncer notre élément, non? Ok, tu nous dois et puis tu te permets de dénoncer notre élément, on t'aura. C'est l'impression que j'ai. Hein? C'est l'impression que moi j'ai. Hein? Parce que tout ça est passé tellement vite et le même jour, on a arrêté la dame, il fait un live. Il nague tout le monde. Et ce qu'il disait, c'était clair et net que moi, j'ai compris que bon, c'est sûr que ce gars en est pour quelque chose. La mère Glagla a pleinement raison. Dit non, c'est deux choses différentes, c'est pas la même chose. Mais ça a un lien. Ça, on ne dit pas que ce que la dame a fait n'est pas bon. Est bon. Mais ça a un rapport avec. Et il y avait de ces trucs qui ne voulaient pas porter plainte. Mais du fait qu'elle a mis sa bouche dedans, ça a accéléré les choses. C'est ce que moi je vois. Hein. Bon, c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci, patience. Alors,
Déborah. Déborah, vous êtes là. Vous avez la parole. Oui. Merci beaucoup, Kim. Merci beaucoup. Bon, moi, je suis montée encore parce que vraiment, il y a longtemps, je n'avais pas vu la vieille mère Glagla sur le panel. Et j'aime beaucoup sa franchise. J'aime beaucoup son développement. Et c'est quelqu'un qui est vraiment posé, qui a la tête. Franchement. Et je salue cela. C'est pour cela que je suis montée, au fait, pour lui dire que je l'admire beaucoup sur ce panel-là. Je l'admire beaucoup. Moi, j'ai déjà compris le message à travers ses dits. Et j'avais déjà même compris, quand je suis montée la première fois, j'avais déjà compris. Mais les gens m'ont pas compris. Ils ont commencé à dire, tu es hors sujet, tu dis autre chose. Mais moi, je sais déjà. Je vais dire aux gens qui sont dans les commentaires, s'il vous plaît, restez toujours à votre poste. Comme le vieux père croyait en vous a dit, restez à votre poste. Et ne vous découragez pas. Moi, j'ai déjà dit que si Dieu a permis que cette histoire-là, ça soit affiché aujourd'hui, c'est parce que il y a un résultat positif qui va venir. Ne soyez pas découragés. Tapotez, partagez, faites des commentaires positifs. Même si aujourd'hui ce panel-là change de sujet, qu'il part ailleurs pour parler d'un autre sujet, pensez pas que c'est fini. Hein. Voilà, ayez la tête. Hey, ma chérie, pardon, actuellement là, hein, tu t'es trop inspiré. S'il te plaît, hein, pardon. Tu as déposé les armes parce que... Ma chérie, t'es trop inspirée. Tu parles tellement bien, pardon. Hein. Merci beaucoup et voilà, à tout à l'heure. T'es trop inspirée. On va faire ça. À tout à l'heure, hein. Voilà. J'aimerais d'abord interpeller Tiesco. Tiesco, le sultan, tu peux pas nous dire ça? Si toi, tu vas pas à Abidjan, c'est que nous, on fait comment? Hein, Tiesco? Tu peux pas dire que tant que ta mère est en liberté, tu n'aimes pas Abidjan. Ah, c'est ça, hein, c'est lui le bras long. Voilà, c'est lui le bras long. Et vous, là, quand vous montez, là, vous savez pas être stratège dans le sens que vous voulez tellement bien parler que vous vous dispersez, en fait. Restez concentré. Restez concentré. Moi, à partir de demain, je reprends mon terrain, mon champ. Voilà, je relance les hostilités. Non, à partir de mardi, on s'est donné rendez-vous avec Aya. Et toute l'équipe, à partir de mardi, on relance le sujet. Hein, Mada, on va retourner, on va vaquer à nos occupations. C'est là, elle nous en moyen. Sinon, lui, là, il est trop fort que nous. Voilà, on va aller chez Mada, c'est notre champ. Mada, faut préparer tes valises. On s'en est toi en pèlerinage. Voilà. On dit Mada est parti au Sénégal. Non, mais le procès pour bientôt, elle ne peut pas revenir. Ne vous inquiétez pas. Et on a de très bonnes nouvelles à vous annoncer. À partir de mardi, on va vous donner les nouvelles. De très, très bonnes nouvelles. Tiesco dit son manager a reçu une convocation. Yako, notre artiste. Yako. Tiesco, ton manager a reçu une convocation. Il dit... Mais c'est pas, c'est toi qui veux attraper. Comme tu n'es pas là, il a donné à ton manager. Hey Dieu, non, Atamiral, tu es fort. Ouais, Atamiral, tu es l'homme. Ah, faut croire. Là, moi, tu es en train de bouleverser la ville. C'est-à-dire que tout TikTok, tout Côte d'Ivoire est bouleversé. C'est-à-dire que tout le monde en panique à cause de toi. Ouais, ton bras long là, il t'a sécurisé. Ouais, tu es fort. Ouais, nous-mêmes, on dépose. Ah, on dépose. Tu es l'homme même. Faut croire. Ah, à ta mirale. En tout cas, la famille, restez concentrés. Voilà, restez concentrés. À partir de mardi, on va reprendre les hostilités. Voilà, on va reprendre Mada. On va aller bro Mada. Elle va nous dire, ouais, elle a mis des biens d'Ethiopie. Voilà, c'est nos champs. Voilà, ça là, c'est un terrain qui est trop glissant pour nous. Mais si on ne fait pas attention. Ton Interpol va nous retrouver comme pour Mado là. Cappuccino.
Capucino dit arrêtez, c'est trop sérieux, ne faites. Mais aïe, depuis combien de temps on est sérieux? Bon, là, il est en liberté, il est en train de porter plainte contre nous maintenant. Donc, on n'a qu'à faire comment? Depuis combien de temps c'est sérieux? On est sérieux. On est en train de dénoncer depuis combien de temps? Bon, là, il est en liberté. Hein? Depuis combien de temps on se dénonce? Excusez-moi, j'ai eu un appel et je suis tombé. Non, c'est pas grave, maman. Je voulais dire merci à la dame qui était montée me parler là. Mais je crois qu'elle est partie. Oui, elle est dans les commentaires. Ah, Déborah, merci beaucoup. Excuse-moi, tu parlais et puis je suis tombée. Vraiment, excuse-moi. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci pour ton affection. Merci.